Ici Londres. Les Français parlent en français. Bien, on va changer complètement de sujet. Quoique, on va venir à une question un petit peu plus scientifique. Encore qu'il y a un aspect scientifique dans ce dont on vient de parler. Alors, je vous ai dit que ce soir, parmi nous, nous avions un docteur en physique nucléaire américain qui s'appelle Dean Mamas, et que j'ai rencontré, et qui m'a exposé une découverte qu'il a faite, qui n'est pas du ressort de la physique nucléaire directement, donc il ne fera pas d'expérience ce soir dans le studio, je vous rassure tout de suite, mais qui est du ressort de l'histoire. Alors, on va faire en quelque sorte du révisionnisme. On va réviser un problème, une question d'histoire. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, puis c'est assez flatteur pour nous. Alors, en général, je réserve ce genre de débat ou d'intervention pour la fin de l'émission, mais je sais que Dean Mamas doit nous quitter assez rapidement, et donc je vais lui donner la parole tout de suite. Alors, Dean Mamas, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire où vous avez appris le français, parce que ça, les lecteurs vont poser la question, oui. Et c'est intéressant que vous répondiez, étant donné la qualité de votre français. Oui, très bien, merci. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais j'ai appris mon français dans les cafés en Bretagne, en faisant le stop, il y a 20 ans. Alors, vous devez connaître quelques expressions bretonnes. Oh oui, oui, Brice, oui, voilà. Bien. Vive la Bretagne. Alors, en dehors de la Bretagne, vous avez aussi passé pas mal de temps à l'université de Californie, je crois. Oui, je suis diplômé avec un doctorat en physique de l'université de Californie à Los Angeles. C'est UCLA. C'est ça, la célèbre UCLA, oui. Hein, dont certains croient que c'est une marque de t-shirt. en fait, oui. Et alors, je vous donne la parole. Oui, racontez-nous okay, ce qui s'est passé. Bien. Ok. Et j'ai eu mon doctorat en 1977, il y a quelques années. J'ai 42 ans maintenant. Ma voix est jeune, on me dit. Alors c'est pour ça que je précise mon âge, c'est 42 ans. Et je suis un francophile acharné. J'adore la France, j'aime tout ce qui est français, le manger, la culture. J'ai beaucoup étudié l'histoire de la France, les rois. Je connais l'histoire de la France encore mieux que les Français, je pense, généralement. Et la France a une réputation, je ne sais pas si les Français le savent totalement, mais en Amérique du Sud, les alliances françaises, il y a 25 000 adhérents. La France est admirée partout dans le monde. Et en fait, la civilisation française est la plus grande civilisation au monde, il n'y a aucun doute. Tout le monde le sait, moi je le dis. Et moi, je ne me gêne pas pour parler, vous voyez. Et il y a une grande injustice à la France, c'est que je suis étonné d'avoir trouvé ces articles, mais en fait ce n'est pas de révisionnisme, Serge, c'est déjà connu, c'est déjà publié depuis une trentaine d'années dans les journaux scientifiques, purement scientifiques, que Einstein a plagié la théorie de relativité de Poincaré, Henri Poincaré, que tous les Français connaissent. Henri Poincaré, qui était le mathématicien français, qui était oui. Frère de Raymond Poincaré. C'était son cousin germain. Cousin germain, le président, oui. De Raymond Poincaré, oui. le président. Uh-huh. Alors, donc vous avez découvert, en faisant des recherches dans des revues scientifiques, des revues scientifiques extrêmement sérieuses, puisqu'il s'agit d'une revue qui s'appelle... très précisément, je vais vous laisser le dire, oui. Parce que okay. Ça sera plus simple. Okay. Quel est le nom de cette revue? Okay. J'en ai en fait plusieurs sources, et ce sont des meilleures sources scientifiques très respectées qui se trouvent dans toutes les universités aux États-Unis. Et d'abord, moi je vais les citer les unes après les autres, je peux en parler pendant longtemps là-dessus. Serge, j'ai tous les détails et je peux répondre à n'importe quelle question avec n'importe qui parce que moi je connais tous les détails techniques aussi bien que historiques sur le sujet. Et la raison pour laquelle je suis ici en France, c'est justement pour faire savoir au grand public français que c'était bien Poincaré, non pas Einstein, qui a publié la théorie de relativité tout en détail. Le premier, c'était Henri Poincaré. Et d'abord, je cite d'abord le British Journal pour la philosophie de science, ce qui est très connu mondialement, et j'ai fait déjà demande, et c'est ici à Paris, dans une dizaine de bibliothèques, c'est également dans n'importe quelle université aux États-Unis aussi bien,
Et bon, ben, c'est à, je vais citer, c'est à la BN, la Bibliothèque nationale. Là, ils ont le British Journal pour la philosophie des sciences. C'est aussi à la Sorbonne, la Bibliothèque de la Sorbonne. Et le British Journal a publié toute une série d'articles entre 1965 jusqu'à 1966. Et ces articles démontrent définitivement que c'était bien Henri Poincaré qui était le premier à publier absolument correctement et en tout détail la théorie de relativité avant Einstein. Alors, c'est le premier article, enfin, l'article qui apporte cette révélation qui est quand même assez étonnante pour un public dont je fais partie, c'est-à-dire un public de non-initiés. Nous, on a toujours cru, parce qu'on nous a toujours suriné ça, que la théorie de la relativité, c'était Einstein, point à la ligne. Il nous était jamais même venu à l'idée de discuter cette évidence. Alors, il y a un monsieur quand même, un chercheur, qui semble-t-il être un chercheur d'origine indienne, qui a démenti cette évidence. Il s'appelle M. Keswani, et il a publié donc dans le British Journal un article, une série d'articles, dans lesquels il reprend tous les travaux de Poincaré, il reprend les travaux d'Einstein, la correspondance privée d'Einstein, et en comparant les dates de ces travaux, il établit d'une manière absolument irréfutable que toute la théorie de la relativité était dans Poincaré et qu'elle a été plagiée en quelque sorte par Einstein. Alors est-ce que vous pouvez nous développer cette... Oui, bien sûr. Il y a déjà, aux États-Unis, il y a une encyclopédie française de Larousse et j'ai cherché sous Poincaré pour savoir ce que Larousse avait à dire. Et ils ont dit justement que Poincaré a possédé tous les éléments de la théorie de relativité avant Einstein. Alors, pourquoi les masses médias ne parlent jamais de ça? Et c'est en fait, c'est la première fois aujourd'hui que tout ça soit présenté sur les masses médias, à la radio, pour le grand public. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des dates précises? Parce que ça joue quand même sur des délais extrêmement courts, enfin sur des différences extrêmement ténues de dates. Oui, ok. D'abord, Henri Poincaré a publié la formule E égale MC2. Tout le monde connaît la formule, c'est sur les t-shirts, n'est-ce pas? Et il a publié E égale MC2 en 1900, 5 ans avant Einstein. C'est E égale MC2. E égale MC2. L'énergie. Énergie égale masse multipliée par la vitesse de lumière carré. Voilà. Et Einstein l'a repris sans jamais citer Poincaré. C'est du plagiat pur et simple. Et même le mot relativité, c'était Poincaré qui a nommé la théorie relativité. C'est le mot de Poincaré pour la théorie. Einstein a également repris le mot relativité. Toujours sans jamais citer Poincaré pour ce mot. Ce n'est que du plagiat, il n'y a aucun autre mot pour le décrire. C'est du plagiat pur et simple, et tout est décrit dans la très célèbre British Journal. Alors il y a d'autres sources qui établissent l'antériorité de Poincaré. Il y a notamment un très grand savant anglais qui dans ses œuvres confirme que c'est Poincaré qui est l'inventeur de la théorie de la relativité, et non pas Einstein. Oui. En fait, Serge est au courant de tout ça. J'ai cherché déjà les journalistes ici en France, parce que je veux que les articles apparaissent à propos de ce plagiat, parce que je veux que ça soit... Une fois que je quitte les ondes aujourd'hui, je ne veux pas que ça finisse là. Je veux absolument que les articles paraissent. C'est pour ça que Serge est au courant. J'ai déjà fait photocopier toutes mes photocopies, et Serge les possède. Et moi, je veux inviter tous les journalistes qui m'écoutent. Et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes. J'ai téléphoné les journalistes, les scientifiques. Il y en a beaucoup qui écoutent en ce moment. Et Serge peut vous donner les photocopies encore. Et je veux vous aider à faire les articles là-dessus. Parce que je veux que ça paraisse dans les journaux, n'est-ce pas, en forme d'articles. Comme ça, c'est plus permanent. On peut citer à ce moment-là, je ne sais pas, le Figaro ou les journaux qui peuvent l'imprimer. Il faut le faire. Et oui, donc, cet anglais, Serge, aussi,
Moi, je veux vous aider. J'ai laissé mon adresse permanente avec Serge, parce que moi, je repars aux États-Unis prochainement. Serge a mon adresse permanente aux États-Unis, et je veux aider n'importe quel journaliste. Et moi, je ne veux pas un sou. Je refuse l'argent. Je fais ça pour la France, pour la vérité, pour la justice, pour Poincaré. Et alors, vous pouvez toujours me contacter par Serge. Et vous pouvez avoir tous ces articles. Mais ces articles se trouvent ici en France, mais pas toutes. Parce qu'il y a une certaine source que je vais citer lors de cette émission qui sont en anglais. Et c'est un peu difficile à trouver ici en France. Mais oui, Serge, il a mentionné un grand anglais. C'est Sir Edmund Whittaker. Le grand anglais Sir Edmund Whittaker. C'est le plus grand savant historien de science anglais du XXe siècle. Et le grand anglais Sir Edmund Whittaker a publié un livre en 1953 sur l'histoire des sciences. Et Sir Edmund Whittaker est définitif. Moi j'ai photocopié les bons passages. En fait, il faut être savant pour lire ces articles. C'est assez technique. Mais j'ai photocopié les passages, les paragraphes que n'importe qui peut lire. Il y a quand même certains passages faciles à lire et très assez directs. Alors je les ai photocopiés, Serge les possède. Et l'anglais, le grand anglais Sir Edmund Whittaker, dans son Histoire des sciences de 1953, il y a un chapitre qui s'appelle La relativité de Poincaré. C'est le titre du chapitre. Et là, c'est également, d'après Sir Edmund Whittaker, à ce moment-là, que c'est en 1900 que Poincaré a publié E égale MC2. Il dit ça d'abord, 5 ans avant Einstein. Et le grand anglais Sir Edmund Whittaker a dit également, il a crédité Poincaré pour avoir été le premier à présenter le principe de relativité. En sa forme tout à fait moderne, Poincaré a formuler le principe parfaitement. C'est le même principe exactement comme vous voyez dans les textes de physique à l'université aujourd'hui. C'est la même formulation. Poincaré l'a présenté parfaitement. Alors, Keswani, par exemple, écrit dans le journal, le British Journal pour la philosophie de la science, Poincaré n'a pas été seulement le premier à énoncer le principe, mais c'est également lui qui a découvert, dans les travaux de Lorentz, les formules mathématiques nécessaires à l'établissement de ce principe. Et tout cela est arrivé bien avant que ne soient publiés les travaux d'Einstein. Donc, non seulement il a énoncé un principe, mais il a démontré la validité de ce principe, en corrigeant d'ailleurs les travaux de Lorentz, que vous m'aviez expliqué, ce pourquoi d'ailleurs Lorentz l'avait remercié, ce qui a permis de développer le principe et de formuler d'établir les formules mathématiques nécessaires à l'aboutissement. Et je crois d'ailleurs que Einstein n'était pas arrivé à démontrer très facilement, je dirais, enfin, il y a eu des difficultés à concrétiser sa démonstration par peut-être défaut de matériel mathématique. Comment expliquez-vous ça? Je ne comprends pas exactement la question. J'avais entendu dire que quand Einstein a été amené à démontrer la validité du principe E égale MC2, on s'est aperçu qu'il y avait certaines carences dans sa démonstration. Oui, d'accord, ok. Oui, vous faites référence au livre que j'ai photocopié ici. Le livre est disponible dans n'importe quelle bibliothèque universitaire aux États-Unis. Le livre s'appelle « Le mythe d'Einstein »,« The Einstein Myth »,« Le mythe d'Einstein ». Et justement, c'est un livre sur Poincaré. Et dans ce livre, il cite le journal optique américain. En fait, c'est le Journal of the Optical Society of America. C'est publié en 1952. Et là, il dit exactement que, comme Serge a dit, quand Einstein a dérivé pour la première fois E égale MC2, sa dérivation était défectueuse.
Mais quand même, il a abouti à la bonne conclusion, c'est-à-dire E égale MC2. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est amusant parce que c'est exactement comme ça qu'à l'école, on reconnaît les élèves qui ont copié. Voilà. Le résultat est juste, mais la démonstration est fausse. Alors, les profs de maths disent, mais là, tu as forcément copié, puisqu'il y a un moment où ton opération est fausse. C'est ça. Einstein a essayé la dérivation 5 années après la première publication de Poincaré de E égale MC2. Einstein savait exactement où il allait, quoi, avec la dérivation. Alors, les dates exactes, c'est Poincaré. OK. Poincaré a publié plusieurs articles sur la relativité. Et tout avant 1904. Et Einstein, le premier papier d'Einstein était 1905. Et ce qui est également, c'est vraiment incroyable, le premier papier d'Einstein n'avait aucune citation. Et dans un papier scientifique, ça ne se fait pas, il faut citer. Et presque tout dans le premier papier d'Einstein était déjà publié, la totalité. Et il n'avait aucune citation. Aucune référence. Hein. Aucune référence, aucune, en bas de page. Alors il y a un autre aspect qui est tout à fait frappant, c'est que apparemment, Einstein n'avait pas les outils, non seulement théoriques, mais pratiques, pour élaborer cette théorie, puisqu'à l'époque, il était employé dans un bureau de brevets en Suisse, où apparemment, il n'avait pas les outils mathématiques et les outils techniques pour développer ça. C'est ça. Tout le monde était étonné, parce qu'Einstein, en fait, travaillait en Suisse, au petit bureau de brevets, isolé. Tout le monde se demandait, comment c'est possible qu'Einstein a pu faire la relativité à partir d'un petit bureau isolé en Suisse, comme ça. En fait, ce que Einstein faisait en Suisse, il lisait Poincaré, comme tout le monde d'ailleurs. C'est une occupation qui lui a rapporté. En fait. Tout était publié, présenté en détail, déjà. Et alors, en fait, et aussi, Poincaré a présenté la théorie de relativité à la foire internationale à Saint-Louis, aux États-Unis, en 1904. Alors, tout était tellement bien présenté, déjà formulé, c'est comme ça qu'Einstein l'a connu. Alors, il y a des questions quand même qui se posent. Bon, la première question, c'est est-ce que Poincaré a pu avoir connaissance du plagiat? Et s'il a pu en avoir connaissance, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Ok, ce qui s'est passé, Poincaré est mort en 1912. Et Einstein a été lancé par les mass médias pendant les années 20. Et c'est comme ça qu'Einstein est connu. En fait, si, vous voyez, Poincaré était déjà mort. Alors les mass médias avaient le champ libre pour lancer Einstein comme vedette du cinéma. Et en fait, Einstein était parfait pour les mass médias. Einstein avait les cheveux longs et les vêtements drôles. Einstein tirait la langue comme sur les t-shirts actuellement. Et il était parfait. Il était le clown des mass médias américaines. Et c'est comme ça qu'il est connu. Et toujours, ici en France, à la publicité, à la télévision, je vois Einstein toujours tirant sa langue. Et il est toujours le clown pour des médias, quoi. Et comment expliquez-vous que Einstein ait eu malgré tout le prix Nobel, alors que le jury du prix Nobel doit être capable quand même d'avoir connaissance de ce genre d'événements? Ok. D'après l'Encyclopédie Britannica, si vous cherchez sur Einstein, il dit là que Einstein n'a jamais eu le prix Nobel pour la relativité à cause de la controverse, justement. Moi, je cite le Britannica. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à chercher, quoi. Et Einstein a eu quand même un prix Nobel, mais pour l'effet photoélectrique, qui se fait en une demi-page. C'est un petit truc. Et tout le monde se demandait pourquoi un prix Nobel pour ça. Et en fait, je pense que c'est politique, les prix Nobel. Et aussi avec toute la pression des mass médias. Les mass médias nous dictent tout. Et même sur la science, on nous ment tous les jours, même sur la science. Mais je crois que c'est l'intérêt évident des éléments que vous apportez, Dilma Mas, aujourd'hui. Parce que, bon, il est bien clair que, en dehors d'une satisfaction d'amour-propre national, le fait que la théorie de la relativité ait été découverte par Poincaré avant Einstein et que Einstein n'ait été que l'emprunteur de cette théorie et son promoteur publicitaire,
ne change rien, ça change rien scientifiquement, ça ne change rien sur aucun plan, si ce n'est, je le répète, le plan de la satisfaction de l'amour propre national. Mais ce que vous démontrez en rendant public, dans le grand public, cette information qui n'est connue que d'un certain, que d'un petit cercle de scientifiques initiés, ce que vous démontrez, c'est que dans tous les domaines, la désinformation et le mensonge sont tout puissants par le jeu des médias. Et vous m'expliquiez hors micro qu'il y a essentiellement deux grands médias aux États-Unis qui ont en quelque sorte projeté, qui ont promu Einstein comme on projette ou comme on promeut un film, une vedette de cinéma ou une vedette du show business. Oui, je peux en parler de ça. D'abord, aux États-Unis, nous avons trois grandes chaînes médiatiques, NBC, ABC et CBS. Et ces trois grandes chaînes étaient commencées aux années 20. Tout de suite, ils ont lancé Einstein. Comme chaîne de radio à l'époque. À l'époque, oui, à l'origine. Et puis à la télévision. Mais ils ont tout de suite lancé Einstein immédiatement parce que Poincaré est déjà mort. Et alors, pour vous dire qui a commencé, en fait, nos mass médias aux États-Unis, c'est un certain David Sarnoff, qui est un Russe, qui est très connu aussi, il est grand spécialiste dans le Talmud et le Torah. Il était un expert là-dedans. Et c'est David Sarnoff, il a commencé le NBC, le ABC, et de la même communauté, il y a un autre Russe, William Paley, qui a commencé CBS. Et bon, ça fait nos trois grandes chaînes là, contrôlées si vous voulez, et David Sarnoff et William Paley, et ils ont contrôlé nos trois grandes chaînes même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui explique en partie pourquoi les États-Unis ont été poussés dans la guerre contre les Allemands avec le coup monté de Pearl Harbor, n'est-ce pas, et c'est toute une autre histoire. Ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler. On pourra faire une émission sur la vérité sur Pearl Harbor. Ce que dit notre ami, c'est vrai que ce savant à cheveux longs un peu fou rentrait très bien dans le schéma que le grand public se fait du savant. Tout à fait, c'est le portrait robot du savant sympathique. Oui, On est obligé de s'interrompre pendant quelques minutes pour retourner la bobine technique. Courtoisie, okay. La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95.6 MHz. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 8 mai de 18 à 21h et en différé le jeudi 9 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. La cotisation minimum annuelle est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82. On siffle les balles,
Donne le son du canon. Seul le beau. Alors, bien entendu, Dean Mamas, vous vous en doutez, votre intervention ne passe pas inaperçue. Alors, il y a deux paquets d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Il y a un gros paquet de gens qui veulent en savoir plus, qui apportent des témoignages ou qui posent des questions. Et puis, il y a un petit paquet qui n'est pas content. Alors, pas du tout content. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, pardon, c'est pas ce que je cherche, parce que ça, c'est quelqu'un qui est content, au contraire. Qu'est-ce que j'ai fait de ce papier? Oui, enfin, je résume. Voilà. Monsieur Mamas est un charlatan. Il est passé sur Ici et Maintenant, il y a quelques jours, il a été démasqué. Alors, je savais que vous étiez passé à Ici et Maintenant. Oui. Je pense pas que ce soit la preuve que vous êtes un charlatan. Je crois que comme preuve de charlatanisme, il faudrait un peu mieux. Parce que sur Ici et Maintenant, il n'y a pas que des charlatans qui passent. Il y a des gens très bien. Notre ami Jean-Paul Bourg, par exemple, qui a une émission le vendredi soir. Je ne vois pas en quoi le fait de vous être exprimé sur Ici et Maintenant vous disqualifie, mais cet auditeur qui, cet auditeur, me semble-t-il, dit que vous avez été démasqué, ne dit pas dans quelles circonstances. Un autre dit que vous êtes un plaisantin et m'invite à me méfier de vous. Vous voyez, bon. Donc on peut pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un débat scientifique. Hein. La question posée, c'est Einstein a-t-il oui ou non copié les travaux de Poincaré sur la relativité. Bon, c'est une question à laquelle répond M. Keswani dans le journal, le British Journal pour la philosophie de la science, le journal britannique pour la philosophie de la science. Il dit oui, absolument, voilà les preuves, il apporte des pages et des pages de preuves. C'est une question à laquelle Sir Edmund Whittaker, le savant américain et historien des sciences, a répondu en disant oui, c'est la vérité. Et Dean Mamas, qu'est-ce qu'il fait? Comme il lit par devoir professionnel, par intérêt professionnel, ces livres qui sont réservés à l'élite scientifique, il découvre ces livres, ces journaux réservés à l'élite scientifique, il découvre cette étonnante information dont un auditeur nous dit la différence entre Dean Mamas et les autres, c'est que Dean Mamas a le courage de dire ce que tout le monde sait depuis longtemps et que personne n'osait dire. Donc lui, il le dit. Débat scientifique, oui ou non, est-ce vrai, est-ce faux? Eh bien, ce débat scientifique provoque pour des tas de réactions positives, mais pour seule réaction négative, des imprécations. C'est-à-dire, on ne dit pas, non, Monsieur Mamas ne dit pas la vérité parce que telle et telle chose, parce que telle et telle date. On dit, Monsieur Dean Mamas est un charlatan ou Monsieur Dean Mamas est un plaisantin. Ce qui est le procédé disqualificatoire ou disqualificateur constant dans les querelles historiques. La démonstration que je voulais faire est faite. C'est-à-dire que dès qu'on est en désaccord avec la vérité officielle, avec l'histoire officielle, on est un nazi. Et Monsieur Mamas est évidemment un nazi, puisqu'il prétend que c'est un Français, peuple nazi s'il en fut, Monsieur Poincaré, qui fut un des précurseurs du nazisme, comme tout le monde le sait, qui a inventé la théorie de la relativité, et que Monsieur Einstein, qui lui n'était absolument pas nazi, ça c'est bien évident, a volé la théorie de la relativité, ce qui est une accusation raciste. Il est évident que quand on accuse M. Einstein d'avoir volé la théorie de la relativité, on ne peut être inspiré que par des motifs racistes. Voilà, ça, c'est la conception du débat scientifique qui prévaut en France aujourd'hui. Eh bien, moi, je vous dis que ce débat scientifique-là ne me paraît pas très sérieux. En revanche, ce qui me paraît très sérieux, c'est, par exemple, l'appel d'une auditrice qui dit « J'appartiens à la famille Poincaré, j'appartiens à une famille modeste qui n'a jamais été attirée par l'argent, et ce qui explique que Henri Poincaré n'est pas cru utile de monnayer sa découverte, qui était une découverte scientifique, donc patrimoine de l'humanité. » Un auditeur nous dit « Paul Langevin, grand physicien qui était lié à Madame Curie, s'est aussi intéressé à la relativité. » Un auditeur nous dit « Il est exagéré d'opposer Poincaré à Einstein, car en réalité, dit-il, ils sont complémentaires. La théorie de la relativité appartient à la physique. Einstein a utilisé les travaux de Poincaré, mais il les a complétés. » Non, c'était publié en détail, complète, en sa forme moderne, tout à fait, par Poincaré avant Einstein. Einstein n'a ajouté rien. Sauf, si vous voulez, on peut toujours dire qu'il a ajouté de la métaphysique. Il y a un tout petit détail. Les gens cherchent à avoir les excuses pour Einstein. Moi, j'ai passé à l'Institut Poincaré lundi, et j'ai parlé avec plusieurs professeurs. Parce que moi, je suis physicien, je peux aller là-bas pour parler avec mes collègues, n'est-ce pas? Alors, j'ai arrêté les gens dans les couloirs et en disant que je suis physicien venu des États-Unis et que j'avais tous ces articles avec moi. Et ce n'est pas moi qui dis tout ça. Moi, je vous amène les articles scientifiques.
Ce n'est pas moi qui a commencé ce débat. Tout ce que je dis est dans tous les articles scientifiques que j'ai cités déjà. Alors, ce n'est pas moi, et même Larousse. Si je suis nazi, Larousse est nazi. Larousse a dit que Poincaré possédait tous les éléments de la relativité avant Einstein. Et d'ailleurs, une auditrice dit, mon dictionnaire indique, Poincaré, deux points, contribua à la théorie de la relativité. Oui, oui, c'est là, voilà. Absolument. Donc c'est quand même, c'est une vérité voilée, occultée, mais qui est quand même présente, qu'on peut retrouver par des recherches personnelles, ce que vous avez fait. Un auditeur dit, il serait intéressant d'entendre une conversation entre votre invité américain, Dean Mamas, et Georges Lorchak. Georges Lorchak est un savant physicien qui est reçu très souvent dans les émissions de Jean Ferré. Dit, oui. Voilà. L'origine des travaux en question, oui. Oui, je veux que tous les savants qui m'entendent en ce moment, il vous faut absolument lire tous ces articles avant de se prononcer sur l'origine de la relativité. Une fois que vous lisiez tous ces articles, croyez-moi, ça ouvre les yeux. Alors un auditeur nous dit, à l'origine des travaux en question, bien avant Poincaré, il ne faut pas oublier Cyrano de Bergerac, le vrai, qui n'était pas gascon, mais de la région parisienne. Voilà. Je ne savais pas qu'il avait contribué à l'élaboration de la théorie de la relativité, mais j'avais entendu dire que c'était effectivement un esprit assez original. Oui, il a fait beaucoup de temps. Et en avance sur son temps. Merci à la personne qui parle de rétablir la vérité sur le rôle d'Henri Poincaré et de saluer la culture française et ceux qui la défendent. Et puis on nous invite à parler de Gustave Le Bon, qui a lui aussi travaillé sur ces questions et qui a échangé, nous dit-on, une correspondance importante avec Henri Poincaré. Alors ça, il faudra faire appel à nos amis aux amis de Gustave Le Bon, qui auront certainement beaucoup de choses à nous dire là-dessus, mais dans une autre émission, puisque je n'ai pas eu l'idée de le faire. Dean Mamas, alors j'ai un auditeur qui dit avoir lu un livre dans lequel il était démontré que c'était en réalité la femme d'Einstein qui avait trouvé la théorie de la relativité. Lisez donc Poincaré aussi. Et alors, un auditeur nous dit, non, Einstein n'était pas le pacifiste qu'on croit, puisqu'en 1939, c'est lui qui poussait le président Roosevelt à fabriquer la bombe atomique. En fait, c'était Szilard qui a écrit la lettre à Roosevelt, et Einstein n'avait qu'à... Il a signé simplement la lettre. Donc, peut-on donner les références attestant la contribution de Poincaré à la théorie de la relativité? Oui, alors là, j'ai quelqu'un qui signe professeur à l'Institut et qui dit « Monsieur Mamas est un fumiste ». Moi, je veux bien, tout ce qu'on veut. Mais Monsieur Mamas, il vient avec un dossier. Il me le présente, le dossier. Je le lis, je n'y connais rien, mais je sais lire l'anglais. Quand je lis Monsieur Keswani, qui lui n'est pas un fumiste, puisqu'il écrit dans un des principaux journaux scientifiques du monde, quand je lis Monsieur Keswani, à la limite, je pouvais faire l'économie de Monsieur Mamas et je pouvais dire que je pouvais me contenter de lire la traduction de l'article de Monsieur Keswani. Donc, je veux dire que le problème de savoir si M. Mamas est un charlatan, un plaisantin ou un fumiste, est en dehors de la question. Et j'ajoute que je suis quand même un petit peu surpris parce que, voilà, le papier arrive, professeur à l'Institut, M. Mamas est un fumiste. Mais moi, je trouve que si je dis M. Mamas est un fumiste, je dis Serge de Bekech, professeur à l'Institut, je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas, accuse M. Mamas d'être un fumiste, mais accusé anonymement quelqu'un qui vient des États-Unis simplement pour le plaisir de nous faire découvrir, à nous Français, la vérité sur l'origine de la théorie de la relativité, une des théories les plus importantes de l'univers scientifique contemporain, et que cette découverte est une découverte française, il vient des États-Unis pour nous dire ça, et on le reçoit en disant « Vous êtes un charlatan, vous êtes un plaisantin, vous êtes un fumiste ». Je trouve que quand même, il y a d'autres façons de recevoir les gens. On peut dire « Écoutez, c'est gentil d'essayer de nous faire plaisir, mais ça n'est pas conforme à la vérité, j'ai des informations différentes, voilà quelles sont ces informations ». Ça, c'est un débat intéressant. Mais insulter les gens, en dehors du contexte politique, qui est un contexte dans lequel non seulement on peut, mais on doit insulter les gens. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Je crains que ça ne soit le seul argument, effectivement. Surtout que M. Mamas n'a pas écrit un livre qu'il essaye de vendre. Non, pas du tout. En plus, non. Je donne ça aux journalistes français. Je donne ça. Il serait bon de demander à M. Lochak son avis sur les écrits en question. Nous aimerions une émission à ce sujet. Ben, ça, je suis obligé de transmettre à Jean Ferré, qui a eu une espèce de monopole sur M. Lochak. Ce que je ferai, c'est, comme je vais le faire pour d'autres, je laisserai à la disposition de M. Lochak
une copie complète du dossier que nous apporte notre ami Dean Mamas ce soir. Beaucoup d'auteurs demandent, beaucoup d'auditeurs demandent l'arbitrage en quelque sorte de Monsieur Lochak. Donc on va s'organiser pour ça. Alors, une auditrice, c'est l'épouse d'Einstein qui a annoncé ses découvertes, et non pas qui a amorcé ses découvertes. Ils ont divorcé et ils ont profité de ses travaux. Un autre auditeur nous dit, ce dont vous parlez n'est pas nouveau. L'abbé Moureux, avant la guerre de 1939, avait publié un ouvrage intitulé « Pour comprendre Einstein ». Et c'est la première fois que ce soit à la radio pour le grand public. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous donner les références attestant la contribution de Poincaré à la relativité ? Je crois qu'il faut donc répéter, Dean Mamas, si vous le voulez bien, les titres des ouvrages, enfin des revues dans lesquelles on peut trouver ces articles. Il s'agit du British Journal, enfin du Journal britannique pour la philosophie de la science. C'est ici à la Sorbonne et aussi à la BN. Donc qui est disponible à la Sorbonne et à la Bibliothèque nationale. C'est un article publié par M. Keswani en quelle année ? 1965 et jusqu'en 66. Entre 65 et 66. Une série de trois articles, ça fait à peu près 100 pages. Alors, il faut être un physicien pour lire entièrement ces articles. Oui, mais il n'est pas utile d'être un physicien lire certaines phrases. Oh oui. Les phrases qui sont extrêmement simples. Je vais essayer de les retrouver rapidement et de vous en donner une traduction. Par exemple, on nous dit, Poincaré a continué à développer le principe de la relativité et il a obtenu pratiquement tous les résultats essentiels avant Einstein. Ça, c'est en page 24 du British Journal for the Philosophy of Science, volume 16, 24, 1965. Et on retrouve également, dans le volume 16, 242, 1965, les mêmes affirmations. Un peu plus loin, comme je l'ai dit, Poincaré n'a pas été seulement le premier à énoncer le principe, mais il a aussi découvert, dans les travaux de Lorentz, les formulations mathématiques nécessaires à l'élaboration de ce principe. Et puis, voilà ce qu'on peut lire, je ne veux pas le développer plus longtemps. Alors ici, on lit aussi, il est par conséquent correct de supposer que Einstein a appris le principe de la relativité de Poincaré. Ça, c'est à la page 297 du volume 15 du journal britannique pour la philosophie des sciences, l'article de Keswani, publié en 65, intitulé « Origine et concept de la relativité ». Voilà, bon, on ne va pas aller plus loin, si vous voulez, sur ce débat, d'abord parce que en dehors de M. Dean Mamas, personne ici n'a le... Enfin, je suppose, Roger, que tu n'as pas un doctorat de physique nucléaire non plus. Malheureusement. Donc, personne n'a les outils... les outils techniques et scientifiques pour répondre à cette question. Tout à l'heure que M. Mamas n'a aucun intérêt à défendre M. Poincaré. Hein, c'est pas tout à fait... C'est pour la France, c'est pour la vérité. Voilà. L'argument, c'est extraordinaire, mais maintenant ça devient quelque chose d'absolument fou. Il me semble que votre invité montre un certain antisémitisme. Est-ce que vous avez dit un seul mot sur cette question? C'est tout ce qu'il peut dire. C'est prodigieux. C'est absolument extraordinaire. De quel droit peut-on lancer une accusation pareille ? Qu'est-ce qui, dans le propos consistant à dire « Monsieur Einstein a pris les idées de Poincaré », constitue l'antisémitisme ? C'est absolument fou. On est en train de rentrer dans l'univers de George Orwell, mes enfants. C'est 1984 que vous nous faites. C'est une société de fous totalitaires, de délirants totalitaires. Hein ? Si je dis que je n'aime pas la chanson qui a fini première ex aequo au concours de l'Eurovision, Amina, je vais avoir un procès par SOS Racisme parce que la chanteuse est tunisienne et que je suis obligé d'aimer une chanson tunisienne. Si je dis que monsieur Roger Hanin, m'enquiquine à la télévision, c'est un mauvais comédien, un épouvantable ringard. Si je dis que monsieur Ben Guigui est un ringard, lamentable, piteux, pitoyable, sans talent, est-ce que c'est parce que je suis antisémite ? Oui, parce que monsieur Ben Guigui, parce que j'avais écrit ça un jour dans Minute, m'a fait un procès et il m'a pris 30 000 balles. C'est le plus gros cachet qu'il a reçu probablement dans sa carrière, ce type, qui est le plus mauvais comédien exerçant en France à l'heure actuelle, mais il m'a pris 30 000 francs de dommages et intérêts parce que j'ai dit qu'il était mauvais. Eh bien, M. Benguigui, on n'a pas le droit de dire qu'il est mauvais parce que M. Benguigui dit, si vous dites que je suis mauvais, vous êtes antisémite. C'est exactement comme si quelqu'un disait, j'aime pas votre émission, j'aurais dit, donc, vous êtes anti-chrétien ou...
Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est un... Ah oui, mais entre chrétiens, c'est autorisé. Tandis que dire que M. Benguigui, que M. Hanin sont des emmerdeurs qui font un mauvais métier, eh ben c'est de l'antisémitisme. Et dire que M. Einstein a volé ses idées à M. Poincaré, c'est de l'antisémitisme. Et dire que je n'aime pas la soupe tartempion, c'est de l'antisémitisme. Pourquoi? Ah bien parce que monsieur, qu'est-ce que vous voulez, le directeur de cette société, n'est-ce pas? Ah bon, bah, très bien. Alors donc je suis obligé d'aimer la soupe tartempion. Voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant le système. Moi je suis désolé, je ne marche pas dans ce système. Je ne baisserai pas l'échine. Je ne courberai pas les chines devant cette loi qui est une loi scélérate, qui est une loi dictée par des canailles. Hein. On n'a pas le droit de m'insulter sous prétexte que je n'aime pas un comédien, on n'a pas le droit de me traiter de pourvoyeur de camp de la mort. Hein. Il faut quand même que ces choses soient bien claires. Voilà. Oui, il y a dans le British Journal, ils ont publié une lettre qu'Einstein a écrite à la fin de sa vie, 2 mois avant sa mort. Et dans la lettre, Einstein a écrit qu'il n'en savait rien de Poincaré. Et alors, la prochaine page dans le British Journal dit que Einstein mentait effectivement. Il était pas simplement un plagiaire, mais également un menteur, parce que d'où est-ce que ça vient le mot relativité, dit le British Journal. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence qu'il a eu le même mot relativité. En fait, il lisait bel et bien Poincaré. Il mentait dans la lettre. À la fin de sa vie. Il a menti toute sa vie pour cacher son plagiat. Dilama, je vous remercie. Je rappelle donc que vous m'avez confié ce dossier qui est fort intéressant et très au-dessus de mes capacités. Ah oui, je dois dire une chose, pardon. C'est que votre, non pas contradicteur, on peut dire votre insulteur, a rappelé pour donner son nom. Alors, il ne faut pas le négliger puisque c'est quand même important. Donc, M. Jacques Étienne, professeur à l'Institut, donne son nom et maintient que M. Dinmamas est un fumiste. Alors, j'invite donc M. Jacques Étienne. Je ne sais pas, vous restez un petit peu en France, Dinmamas? Oui, je vais rester. Je ne sais pas. C'est un peu indéfini, mon voyage. Je ne sais pas combien de temps. Ça dépend de ce qui se passe aux États-Unis. Jusqu'au moment où vous en aurez assez de vous faire insulter par des gens à qui vous apportez... Mais en fait, j'étais bien reçu à l'Institut Henri Poincaré. J'étais là-bas, j'ai parlé avec les professeurs et ils le savaient déjà. Et ils ont même les photocopies du même British Journal à l'Institut Henri Poincaré. Ils sont au courant. Mais j'ai forte impression qu'ils n'osent pas se prononcer publiquement parce que justement, c'est à contrarier les masses médias. Ils n'osent pas. Puis ils ont peut-être peur de passer aussi pour des fumistes. Parce que si tous les professeurs de l'Institut Poincaré et tous les chercheurs de l'Institut Poincaré sont des fumistes, ça va être très très embêtant. Il va falloir faire un drôle de ménage dans cette entreprise. Je pense aussi d'ailleurs que l'éditeur du British Journal for Philosophy of Science est probablement lui aussi un fumiste, un charlatan. Et un oui, également Sir Edmund Whittaker. Et Sir Edmund Whittaker, tous les autres. Donc il faudra monter un club. Il y aura le prix Nobel et le prix fumiste. Oui. Hein? Si je peux ajouter, bien des années après, Einstein a présenté ce qu'il a appelé la générale relativité. C'était pour continuer le plagiat. Le mot générale relativité, il n'avait pas le droit de l'appeler ainsi. Le général relativité n'est dans aucun sens une théorie générale de relativité, dit le British Journal en citant beaucoup d'autres physiciens, Fock, etc. Einstein n'avait pas le droit de l'appeler ainsi, général. C'était pour s'accaparer de la relativité, quoi. Merci Dinmamas, merci d'être venu nous voir, d'être merci venu pour en France. L'occasion d'avoir présenté ça au grand public. Merci aussi de nous avoir donné l'occasion de démontrer que nous ne sommes pas des anti-américains primaires, contrairement à certaines rumeurs qui ont couru sur moi notamment. Enfin, c'est incroyable de me traiter d'anti-américain primaire alors que j'ai eu dans mon bureau pendant des années un superbe drapeau de la Confédération. Ce qui démontre bien quand même que je ne suis pas d'anti-américain primaire. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup pour l'occasion. Roger, si tu veux changer de place pour avoir un micro qui fonctionne 100%, tu peux te mettre en face de moi. Alors, je fais une petite parenthèse autour de cette affaire du week-end, de la fin de semaine et de la Dominique. Alors, pour l'instant, quelques propositions se sont faites connaître. Pour week-end, un auditeur propose Samanche. Ça mange. Qu'est-ce que vous faites, ça mange? C'est joli. Ça mange pas de pain, bien entendu. Merci bon, Jean-François oui, Touzet, c'est excellent. Bon. On voit, quand Sanders n'est pas là, il y a toujours quelqu'un pour le remplacer. Un autre auditeur propose samedi-manche.
ce qui est joli aussi. Si samedi dimanche, il n'y a qu'à se gratter, comme disait l'autre. Et puis, une auditrice qui est plus que septuagénaire, mais elle le dit, donc on peut le répéter, nous dit « Dans mon enfance, on appelait le samedi et le dimanche la semaine anglaise ». C'est joli aussi, mais c'est un peu ennuyeux quand même. Ouais. Hein, donc, on n'a toujours pas trouvé. Enfin, je mets aux voix « Samanche » ou « Samedi dimanche ». Voilà. On pourrait dire d'ailleurs aussi « Samedi et dimanche ». Qu'est-ce que vous faites samedi et dimanche ? Ben, je me repose. Voilà. Et puis, un auditeur dit qu'il n'est pas d'accord avec nous. Et alors là, je ne comprends pas bien, parce qu'il dit « Je ne suis pas d'accord avec Serge. Le dimanche est bien le premier jour de la semaine. » Ce qui est exactement ce que j'avais dit. Et Dieu se reposa le dernier jour, mais on n'est pas dit dans la Genèse que Dieu se reposa le dimanche. Ce n'est pas dit du tout. Non, c'est le septième jour. C'est le septième jour, qui peut être un samedi. Et d'ailleurs, les Israélites observent le repos du Shabbat, qui est le samedi, donc le dernier jour. Qui commence le vendredi soir, je pense. Qui commence le vendredi soir, vers 16h, enfin, une considération d'ordre astronomique. Donc, le dernier jour, c'est bien le samedi, ce qui fait du dimanche le premier jour. Et par conséquent, on ne peut pas dire la fin de semaine, puisque la fin de semaine, ça serait le samedi, et peut-être le vendredi, mais pas le dimanche. Voilà. Alors, encore d'autres appels, et puis je te donne la parole tout de suite, Roland. Cours de philosophie, notion de temps. Le professeur Nice de l'Institut catholique de Louvain parle de Henri Poincaré, mais ne mentionne pas Einstein. Merci pour l'émission. Merci. On n'est pas tout seul, nous dit un auditeur. Oui, c'est vrai. Les références exactes des travaux de Poincaré auxquels se sont référés les journaux américains pour cette étude. Alors, on peut sûrement se référer à quelques publications à la BN, oui, mais ça, on ne peut pas les donner. Enfin, on pourrait les donner, mais ça prendra vraiment trop de temps. Ce que je propose, c'est que si vous êtes vraiment intéressé sur le plan scientifique, soyez gentil, si c'est juste pour une curiosité comme ça, ne me le demandez pas, parce que ça coûte beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps, et c'est vraiment pour des journalistes ou des scientifiques. Jacques Bergier, dans « Je ne suis pas une légende », se consolait en déclarant que Einstein, lui aussi, avait eu besoin de se faire aider. Mais ça, c'est du Bergier, que j'ai bien connu, qui était mon ami, et pour qui j'ai d'ailleurs toujours une grande tendresse, bien qu'il soit mort maintenant il y a plus de 10 ans. C'est tout à fait le genre d'humour dont Jacques Bergier était coutumier. Il y a eu, nous dit un auditeur, il y a 30 ans, dans un ouvrage de Jean Charon, l'indication que c'était bien Poincaré qui était l'auteur de la relativité. Donc, il faudrait avoir plus de détails, peut-être sur le titre de cet ouvrage de Jean Charon. Pour quelles raisons Henri Poincaré, décédé en 1912, n'a-t-il jamais protesté pour revendiquer la paternité de la relativité, ni lui, ni ses descendants? Mais ça, je crois qu'on a eu l'explication tout à l'heure par une de ses descendantes, qui nous a dit, nous, on est une famille modeste qui n'est pas intéressée, et par conséquent, la gloire des Poincaré, je pense, a suffi à leur bonheur. En plus, je ne sais pas si ça leur aura rapporté beaucoup d'argent, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des royalties à encaisser sur les bombes atomiques. Parlerez-vous du débat sur la relativité dans Minute? Oui, bien sûr. Oui, là, il y a une chose que je ne peux pas lire, c'est « Bravo à Serge, ne vous mettez pas à plat ventre », et puis après, il y a des tas de conseils que je ne peux pas lire au micro, parce que je me mettrais dans un mauvais cas, et je crois que c'est suffisant comme ça. Voilà, je garde de côté la référence relative, enfin, l'appel relatif au livre de Jean Charon, il faudra essayer d'en savoir plus. Mon cher Roger, tu es décidément inépuisable, insatiable, tu publies chez National Hebdo une tribune libre. Ici Londres, les Français parlent en français.